Je vous salue encore une fois dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Comme Adam dit, le meilleur moment que j'ai dans ma vie, c'est quand je me tiens derrière la chair et partage la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Amen. Je crois que moi aussi, c'est le meilleur moment que je peux avoir. C'est quand on peut partager ensemble la parole de Dieu. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vous ai dit aujourd'hui que c'est prise de contact. Donc, nous allons bien partager la parole depuis la semaine qui commence, mardi. Mardi, je serai ici. Alors aujourd'hui, j'ai voulu que ce soit d'abord une prise de contact afin que nous puissions mieux nous connaître, nous apprécier. Et je vous apprécie beaucoup. Et c'est que vous aimez la parole de Dieu. Et c'est que vous croyez la parole de Dieu. L'essentiel, c'est quoi? Amen. Frère Branham dit, la difficulté avec nous, les pasteurs, nous essayons chaque fois de dire aux croyants ce qu'ils ne doivent pas faire pour être sauvés. Vous devez cesser de fumer, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas commettre adultère, vous ne devez pas faire ceci. Il dit, Jésus ne disait pas aux gens de ne pas faire ceci, de ne pas faire ça pour être sauvé. L'homme l'a demandé, que dois-je faire pour être sauvé? Il n'a pas dit, que dois-je cesser de faire pour être sauvé? Que dois-je faire? Et Jésus a dit, crois. Amen. Comment dire que c'est ce qu'il faut faire pour être sauvé? Quelqu'un peut cesser de fumer. Il y a beaucoup de gens qui ne fument pas, qui vont en enfer. Amen. Vous êtes avec moi? D'accord. Amen. Il y a des gens qui ne disent pas des mensonges, qui vont en enfer. D'accord. Amen. Ne pas mentir, ce n'est pas le signe d'un chrétien. Amen. Dites amen. 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 C'est dire, ah mes frères, tu veux nous amener dans le péché? Je ne peux pas vous amener dans le péché, vous êtes nés dans le péché. Amen. Souvent on fait semblant, on veut faire croire aux gens qu'on n'est pas des pécheurs. Non, on est nés dans le péché. Amen. C'est ça le problème. Et ça rend les gens hypocrites parce que les gens veulent se faire voir qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des saints. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de péché. Un chrétien ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas de péché. Paul dit, j'écris aux saints qui sont à Corinthe, les saints qui sont à Éphèse, les saints qui sont à Rome, les saints qui sont à Thessalonique, les saints qui sont à Galatie, les saints qui sont les saints. Amen. Amen. Et puis il écrit aux saints à Corinthe et puis il dit, mais j'entends parmi vous qu'il y a des divisions. Et c'est toi qui as dit que ce sont des saints. Tu as dit, j'écris aux saints à Corinthe, maintenant tu commences encore à dire. J'entends parmi vous qu'il y a des divisions. C'est Paul qui a dit. Il dit, qui était divisé? Des saints. Il dit amen. C'était des saints. Mais divisé. Vous croyez cela? Amen. Et j'entends même parmi vous qu'il y a quelqu'un qui court avec la femme de son père. Mais Paul, tu as dit que ce sont des saints. Lisez, c'est lui-même qui a dit des saints. Oui. J'écris aux saints, aux saints, aux saints, aux saints. Nos saints ne sont pas des gens d'abord qui meurent pour que le pape les canonise. Nos saints sont vivants. Amen. C'est quand ils sont vivants qu'ils... Vous êtes des saints. Amen. Et voilà qu'il y a un saint ici qui court avec la femme de son père. Et Paul dit, moi ensemble avec vous, je les livre au diable pour la destruction de sa chair et le salut de son âme. Amen. Il a été livré, un saint livré au diable. Amen. Et pour prouver que c'était un saint, frère, madame dit que lisez le chapitre suivant des Corinthiens. Amen. Cet homme s'est repenti, il est revenu à Christ. D'accord. Il a pleuré sérieusement. Amen. Pour prouver que c'était un saint. Amen. Un saint, c'est comme la mer. Vous prenez la saleté le matin, vous jetez à la mer, vous jetez la saleté, jetez comme vous voulez, la mer va toujours recevoir. Amen. Mais le soir, un vent impétueux qui va commencer à souffler sur les eaux, il va provoquer des vagues. Oui.
Et toute la saleté que vous avez jetée le matin va commencer à remonter, remonter, et la mer va chasser cette saleté sur la plage. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Le diable pouvait jeter la saleté en nous pendant longtemps, mais au temps du soir. Amen. Parce que la mer, c'est le type de l'épouse. Amen. C'est le type des croyants. Amen. Vers le soir, amen, la lumière paraît. Amen. Et toute la saleté sera vomie sur la plage. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Vous aimez le Seigneur? Amen. Donc, les gens, à un moment donné, on fabrique des croyants. On fabrique. Amen. On ne doit pas fabriquer. Vous n'allez pas prendre un bâton, taper les moutons. Allez, produis la laine, produis la laine. Non. Il est fait pour produire la laine. Amen. Donne-lui la nourriture qu'il faut. Amen. La laine sortira. Amen. Tu vas prendre un bébé, tu ouvres sa bouche, mais quand est-ce que les dents vont sortir, toi? Tu tapes là pour que tu blesses là. Il faut que les dents sortent là. Regarde là. Non, laisse le bébé tranquille. Amen. Donne-lui du lait. Donne-lui la nourriture. Amen. Il a tout en lui pour Amen. Produire des dents. La nourriture produira des dents. Alléluia. Alléluia. Vous avez tout en vous. Amen. La sainteté est en vous. Amen. Amen. D'accord. La foi, la patience, la vertu, la connaissance, la piété, l'amour fraternel, on ne vend pas ces vertus-là au marché. Amen. On ne les fabrique pas dans une industrie. C'est en vous. Amen. Mangez cette parole que nous avons reçue. Contient les vitamines, d'accord, les protéines Amen. Nécessaires Amen. Pour produire ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous aimez le Seigneur? Amen. Vous l'aimez beaucoup? Amen. Oui. Nous ne pouvons que le faire. Avec ce message, nous apprenons à l'apprécier. Le message a pris un tournant. Il faut vraiment dire que nous ne construisons pas un mur, toi. Nous construisons un Amen. Bâtiment. Amen. Et chaque fois, il y a des courbures, des tournants, des tournants, des tournants. Alors, quand vous ne faites pas attention, vous construisez, vous n'êtes pas dans la symphonie, il y aura déjà changement de cadence, changement de tournure, vous continuez le chemin. Mais tout a déjà changé. Amen. Et le message a eu beaucoup de changements. Amen. Amen. Et maintenant, frère, nous voyons le message sous une autre forme. Amen. Je voudrais vous faire remarquer que si vous prenez le livre de la Révélation, vous allez voir que Jean dit, j'étais sur l'île de Patmos. Avant de voir quoi que ce soit, les anges de l'Église disent, je fus ravi en esprit dans le jour du Seigneur. Il était sur l'île de Patmos. Regardez, c'est un endroit. Il ne voyait rien. Mais dès que, étant toujours à l'île de Patmos, mais ravi, Amen. Physiquement, il était toujours là, Amen. Mais spirituellement ravi, d'accord. Il commence à voir. Il voit des choses merveilleuses. Il tombe même à genoux, il tombe la face contre terre comme un mort. Parce que ce qu'il voyait là, c'était fantastique. Amen. Il ne voyait pas ça quand il était seulement sur l'île de Patmos. Il voyait, c'était tellement fantastique qu'il est tombé comme un mort. Mais ce n'était encore rien. D'accord. C'est encore rien. D'accord. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas vues malgré ça. Bien qu'il était dans le jour de ça, il n'a pas vu. Amen. Alors, arrivé à la fin, il voit l'âge de la Odyssée, Révélation, Apocalypse chapitre 3. Tu vois comment je mélange l'anglais avec. Je suis habitué à faire en anglais, Revelation. Je dois maintenant réapprendre encore. Apocalypse, Amen. Et il voit seulement la Odyssée, c'est tout ce qu'il pouvait voir quand il était dans le jour du Seigneur. C'est pourquoi nous avons les gens de la Odyssée, les dénominationnaires, et beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le jour du Seigneur. Et ils ne voient que les sept âges de l'Église. Et ils s'arrêtent là. C'était pas suffisant. Oui. L'ange devait encore lui dire, monte ici. Oui. Il faut toujours monter. Mm. Mais là, il était sur les appartements dans le jour du Seigneur. C'était pas suffisant. Pour voir le trône, pour voir la mer de verre, Amen. Pour voir l'agneau sur le trône, il devait encore monter plus haut que le jour du Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. C'est seulement quand il est monté qu'il a vu les sept sceaux. Là, commencé à ouvrir, les briser, les sceaux sous forme symbolique qu'on a brisé. Mais ce n'était pas suffisant.
monte à un moment donné, il dit, viens, je vais te présenter la nouvelle Jérusalem. Il regarde là, il dit, oh, j'ai vu une ville qui descendait du ciel. Là, je dis, non, tu es à un autre niveau. Viens, je vais encore te faire monter plus haut. Il m'est ravi sur une plus haute montagne. Vous voyez? Parce que là, j'ai vu que non, le niveau où il est, il ne voit pas clair. Mais un aigle, plus il vole, plus il voit clair. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était la même parole, mais plus, ça dépendait du niveau où il regardait. La position à partir de laquelle il regardait cette parole. C'est quoi, quand quelqu'un regarde, il a un certain niveau, il regarde, il voit que il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça dépend de la position où il se trouve. Comme les dénominationnels. Après, quand on monte un peu plus haut, la même parole, quand vous la lisez, c'est maintenant Jésus, c'est lui Dieu. Ah oui, oui, Jésus, c'est lui Dieu. C'est un certain niveau de la parole. Vous montez encore un peu plus loin, ça devient, ça change. Et ça change. Donc la même parole peut prendre plusieurs représentations selon votre position. Mais là, quand cet homme, l'ange a fait monter Jean, alors Jean dit, oh, j'ai vu. Là, il avait dit une ville. Quand il monte, oh, j'ai vu l'épouse de l'agneau. Oh. La ville devient l'épouse. Paraît comme une épouse paraît pour son mari. Ça dépendait du niveau auquel il se trouve. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous montrer que vous êtes des saints, vous êtes sauvés, et je vais vous donner cette confiance en vous-même. Jésus savait qui il était, il n'avait pas peur. Vous dites amen? Amen. Quand l'autre ici lui demande, c'est qui? Vous connaissez le monsieur? Pilate ou Caïphe, je ne sais pas, lui demander. Es-tu le fils de Dieu? Il dit, tu l'as dit. Il n'avait pas peur. Il dit, on va dire, non, mais tu as fumé hier. Non. Il connaissait quelle position il avait. Pour mettre l'air, tu as menti, non? Non, ce n'est pas moi qui ai menti, c'est le diable. Amen. Moi, je suis le fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Caïphe me dit, non, tu as fait, pourquoi tu as chicoté les gens au temple ce jour-là? Est-ce qu'un chrétien avec le Saint-Esprit en lui? Est-ce qu'ils peuvent chicoter les gens? Tu as chicoté même les vieux papas qui vendaient là. Le vieux papa changeur d'argent là. Tu n'as même pas eu pitié de lui. Tu l'as chicoté sérieusement, il a fui, il est même tombé. Est-ce que si toi tu es un fils de Dieu, tu peux taper les gens? Jésus, avec tout le Saint-Esprit en lui, avec la plénitude de Dieu en lui, il a chicoté les gens. Mais ça n'a pas changé sur ce qu'il était. Il était Dieu. Vous dites amen? Oh oui. Donc le diable essaie de nous faire voir que la chrétienté, c'est ici. Non. Et alors, on va commencer à voir des gens qui se dénaturent. Ils commencent à être marchés comme ça, pour qu'on voit que c'est un saint. Non, ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté n'est pas dans la démarche. La sainteté n'est pas le fait de parler, non. La sainteté, c'est l'état de l'âme. Est-ce que vous amen? Les pharisiens, extérieurement, étaient parfaits. Amen. Mais là, à l'intérieur, c'est pulcre. Des centaines de démons étaient assis là. Voyez-vous cela? Ce qui compte pour un croyant, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Amen. Ce n'est pas l'intérieur produira l'extérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que j'ai vu Dieu dans ma vie. Et j'ai passé par des moments très très difficiles. Et aujourd'hui, j'ai compris, je peux comprendre pourquoi Dieu a permis que ces choses m'arrivent. C'était pour son royaume. Amen. C'est pourquoi, depuis mon enfance, je ne fais que frôler la mort. Frôler la mort. J'ai raté la mort, c'est combien de fois maintenant? Et la dernière fois, c'est maintenant quand il y a eu la guerre. On m'a même pointé l'arme comme ça. J'ai vu ma mort, j'ai prié même pour la dernière fois. Mais Dieu n'a pas voulu. Amen.
Depuis mon enfance, je ne fais que frôler la mort, frôler la mort. Et on m'a donné une maison comme ça, non achevée, qui est tombée sur moi. J'ai perdu connaissance et j'étais presque parti. Des accidents, accidents après accidents. Donc, je ne faisais que frôler, manquer la mort comme ça. Mais Dieu m'a appris des choses dans tout ça. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, si je vis, c'est seulement lui qui vit en moi. Amen. Je ne vais plus vivre pour moi-même. Amen. Parce que si ça ne dépendait que de moi, je serais déjà mort. Merci, Seigneur. Ce soir, j'utilise la Bible en anglais, parce que la Bible en français ne fait pas ressortir l'original, la pensée que Dieu a mis dans la parole. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, vous voyez dans votre Bible, on lit culte. Culte, ça n'existe pas. Culte, c'est la magie. Vous savez ça? Oui. Frère Madame, prenez le message partout. Frère Madame parle de culte, c'est la magie. Mais la Bible parle de culte. Au lieu de parler de l'adoration. On parle de culte. C'est catholique. C'est une Bible catholique. C'est influencé par l'Église catholique. La Bible, c'est culte. Et nous, sans le savoir, nous disons culte. Mais c'est faux. Il faut cesser de dire ça. Oh, nous allons au culte. Non, non, non. Culte, c'est les hindous qui vont au culte. Nous, nous allons au service d'adoration. Amen. 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 Au service d'adoration. Nous venons adorer notre Dieu. Ce n'est pas le culte, ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, il y a des endroits où je préfère utiliser la Bible en anglais parce qu'elle fait ressortir. Vous allez remarquer comme ici, chapitre 12 de Romains. Prions le Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du lieu saint. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du lieu saint. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la colonne de feu. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, humblement, je viens, Seigneur, apprendre à t'aimer ensemble avec mes frères. C'est un joyeux service pour nous d'offrir à notre Dieu pas des sacrifices morts, pas des vies mortes, mais nous sommes joyeux de t'offrir des sacrifices vivants. Nous sommes ici sur ton autel. Reçois-nous, Jésus. Reçois-nous dans ta grâce. Reçois-nous dans ton amour. Permets-nous, Seigneur Jésus, d'être semblable à toi. Nous nous approchons de toi ce soir. Dans un profond respect. Oh Jésus, à qui d'autre aimerions-nous?
C'est toi qui as les paroles de la vie, qui communique la vie éternelle. Et ce soir, tu vas nous parler, Seigneur. Bénis, Seigneur, le pasteur Philippe. Bénis son église. Bénis tous les saints qui sont ici. Bénis le pasteur Nanda. Bénis le pasteur Ashok, Seigneur. Nous nous abandonnons tous entre tes mains. Nous laissons la lecture de la parole entre tes mains. Dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à Fernanda de lire Romains 12, versets 1 à 2. Et puis je vais corriger cela avec l'anglais. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Maintenant, l'anglais dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, que vous puissiez présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, ce qui est un service agréable. Amen. Pas un culte agréable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Amen. Amen. Que vous puissiez être transformés par le renouvellement de votre pensée. Amen. Amen. C'est la correction que je voulais amener. C'est pas intelligence, c'est le renouvellement de votre pensée. Amen. C'est comme ça que vous êtes transformés. La puissance transformatrice. La puissance transformatrice de Dieu. La puissance pour transformer, c'est par le renouvellement de votre pensée. Amen. Amen. Alors nous lisons dans Colossiens. Chapitre 1, verset 15 à 29. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme
et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Alors nous lisons aussi chapitre 2 de Philippiens, et nous allons finir. Voilà. Asseyons-nous, on va venir la paix. On va venir la paix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut vous asseoir. On va venir la paix. Je vous attends d'abord. Alors ici, nous avons lu dans Romains, où Romains nous dit, où Paul nous dit, que nous puissions être transformés. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Amen. Amen. Donc, être transformé, la transformation commence par le renouvellement de la pensée. Souvent, les gens ne comprennent pas les choses en disant que la sanctification, c'est quand vous êtes sanctifié, vous devenez saint, vous devez cesser de faire ceci. Non. Toutes les œuvres de grâce ne concernent pas ce corps. Frère Madame explique comme ceci. La justification, c'est comme un verre qui était dans la saleté, dans une poubelle. Vous la ramassez. Quand vous la ramassez, c'est ça la justification. Amen. Quand vous ramassez ce verre-là, c'est ça la justification. D'accord. Amen. D'accord. Amen. Et puis vous lavez le verre, c'est la sanctification. Amen. Le verre est prêt maintenant pour être utilisé, pour être rempli. Là, quand vous mettez du jus ou bien quoi que ce soit dans le verre pour l'utiliser, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Remarquez bien. Qu'est-ce que vous remplissez? Maintenant, quand on parle ça, on présente ça sur l'homme. Le Saint-Esprit n'entre pas dans le corps de l'homme. Amen. Le Saint-Esprit ne oint pas l'esprit de l'homme. Amen. Faut même dire que si vous recevez le Saint-Esprit dans votre esprit, vous êtes un faux oint. Comme les pentecôtistes. Amen. C'est pourquoi vous allez lire, frère, que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit chaque minute de votre vie. Amen. Et puis finir en enfer. Amen. C'est quand le Saint-Esprit est dans votre esprit. Mais les élus, l'épouse reçoit le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. 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 Si le Saint-Esprit remplit l'âme, alors vous comprenez maintenant qu'est-ce qui doit être justifié, qu'est-ce qui est sanctifié. Amen. Qu'est-ce qui est basé sur cet esprit? C'est votre âme. Amen. Frère Madame, que je me suis toujours demandé, les gens disent, oh Dieu se trompe, la Bible est fausse parce que Dieu dit que la pensée c'est dans le cœur. Amen. Il dit, non, la pensée c'est dans la tête. Dieu se trompe. Okay. Il dit, jusqu'à ces derniers temps, ils ont découvert le cœur, que dans le cœur, du côté gauche, il y a un compartiment vide. Amen. Il n'y a pas d'air dedans. Il n'y a pas d'eau, pas de sang. Il dit, ils ont compris que ici, c'est là où réside Dieu dans le cœur. Amen. C'est là où réside l'âme. Est-ce que vous dites amen? Amen. La Bible ne peut pas tomber parce que la Bible dit que l'homme est selon la pensée de son cœur. C'est le cœur qui a la pensée. Amen. Amen. Je crois que vous êtes avec moi. Amen. Ne confondez pas les raisonnements de la tête. Raisonnement, amen. Non. Je parle de la pensée. C'est pourquoi en français, la Bible en français ne fait pas ressortir. Et on peut comprendre là pourquoi Dieu a utilisé la Bible en anglais aujourd'hui. Pour nous apporter la parole. Il savait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en français. Ça allait nous créer beaucoup de confusion. Il a parlé l'anglais aujourd'hui. Vous dites amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui, d'accord. Joseph, quand il était en Égypte, il a parlé quoi? À ses frères? L'Égyptien. Il faisait comme si c'était un Égyptien. Amen. Il parlait l'Égyptien, il avait un interprète. Amen. Mais c'était Joseph. D'accord. Il connaissait l'hébreu, oui. Mais il ne parlait pas en hébreu. Il parlait en Égyptien. D'accord. Et l'Égypte était la plus grande puissance du monde. Aujourd'hui, la plus grande puissance du monde, c'est les États-Unis. Et Joseph, la colonne de feu. Oui.
était voilé derrière un homme. Amen. D'accord. Joseph était habillé comme un Égyptien. Dites amen. Ses frères croyaient que c'était un Égyptien parce qu'il était habillé comme un Égyptien. Il agissait comme un Égyptien. Et la colonne de feu qui est Joseph aujourd'hui, Jésus-Christ, était voilé dans une veste aujourd'hui. Amen. Égyptienne. D'accord. Est-ce que vous dites amen? Amen. Une veste avec une calvitie. Amen. Vous le croyez? Amen. Tu es la veste de Dieu. Amen. Ton corps, c'est la veste amen. De Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en toi porte une robe et c'est ton corps. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et Joseph était caché dans William Marion Branham. Et il a parlé l'anglais. Mmh. Parce que c'est le même message qui retournera en Israël. Amen. Ils vont traduire ça en hébreu. Amen. Joseph parlant anglais. Amen. Et ses frères vont interpréter en hébreu. Est-ce que vous amen. C'est le même Dieu que nous avons reçu. C'est le même Dieu qu'ils vont reconnaître. Est-ce que vous le croyez? Oui. Amen. Maintenant, nous parlons de la pensée. Être transformé. Nous nous posons ces questions. Est-ce qu'on peut être transformé, frère? Est-ce qu'il y a la chance que moi je sois sauvé? Parce que depuis que j'ai cru, frère, je ne change pas. Je convoite. Amen. Je mange, je fais au Seigneur. J'ai fait tout, j'ai pris, mais ça ne tient pas. Après, dans le mensonge, je reviens encore. Amen. Frère, je vous dis ces choses pour vous libérer. Amen. Les dénominations ont essayé de lier les enfants amen. De Dieu amen. Avec des dogmes, des credos et des interprétations particulières de la parole. Y a-t-il de l'espoir pour moi? Depuis que j'ai cru ce message, je ne vois pas de changement. Un jour, j'étais là, mon chef m'a demandé si j'ai dit un mensonge. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je serai sauvé vraiment? À un moment donné, j'ai fait des efforts, mais tout d'un coup, je retourne encore. Je me retrouve dans une mauvaise vie, je me retrouve ici en train de critiquer, je me retrouve en train de haïr. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Y a-t-il une chance d'un changement un jour? Est-ce que le message, est-ce que c'est pour moi ou bien c'est pour d'autres personnes? Est-ce seulement le pasteur? Est-ce que moi aussi, je suis content, est-ce qu'il sera enlevé? Parce que ma vie, je ne vois pas quelque chose de quoi, de chrétien là-dedans, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un espoir? Je suis souillé, je me vois. Mais on peut dire à l'église ceci ou cela, mais je suis souillé, moi-même je connais ce qui se passe en moi. Je peux mentir à l'extérieur, je sors là comme si je suis saint, mais amen. Je connais la vérité. Amen. C'est bien moi, je connais. Amen. D'accord. C'est que je souffre, c'est que je subis. Mais Seigneur, est-ce qu'il y a un espoir quelque part? Il y a une espérance? Tu as dit que ce message, c'est un message puissant, c'est un message de victoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à être délivré. J'arrive ici, je vois la télévision. Le prophète a dit ici que c'est faux de regarder toutes ces choses, ces femmes nues et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus? Me suivez? Amen. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. On a dit que la pensée, c'est tout dans le cœur. Mais retenez cela très bien. La pensée se trouve dans le cœur. Frère Branham dit ceci. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire dans votre pensée, votre vieille pensée. Vous ne pouvez pas. Quand vous essayez de faire cela, donc d'essayer de bien vivre selon votre vieille pensée, il dit... C'est comme si vous êtes en train d'essayer de mettre le papier peint, d'embellir des murs d'un bâtiment, de peindre un bâtiment dont les conditions sont déjà mauvaises. Et que la fondation de ce bâtiment est déjà condamnée. Amen. On dit que ce bâtiment
Les ingénieurs de la municipalité sont venus vérifier selon les conditions requises pour construire une maison. Regarde, c'est dans un terrain marécageux, il n'y a pas une bonne fondation. La fondation, on n'a pas respecté le dosage prévu pour le béton et toutes ces choses, la profondeur et tout ça. On n'a rien respecté, on a juste construit. Les ingénieurs viennent dire non, cette maison doit tomber. Ils ont écrit tout, ils ont signé les papiers, sont partis. Toi, tu restes là, ils disent, oh, allez, de toute façon, ils ne vont plus revenir, ils ont dit, allez, tu continues, tu termines ta maison, tu te mets à peindre la maison, oh, c'est une jolie maison. Tu es en train de peindre une maison qui est déjà condamnée. Suivez très bien cela. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. La chose est déjà condamnée, frère. Vous embellissez, vous dehors, c'est bien, c'est beau, vous mettez des fleurs et tout ça. Les gens, oh, quelle merveilleuse maison, quelle maison jolie. Mais c'est déjà condamné, frère madame dit ça. Si le gouvernement condamne une maison, la fondation est pourrie. Comment pouvez-vous y bâtir une maison? Vous êtes simplement en train de construire pour la destruction, amen, pour la chute. Amen. Peu importe combien vous essayez de peindre l'intérieur, combien de papiers peints vous essayez de mettre dessus, combien de choses vous essayez de mettre dessus, combien de clochettes, de crucifixes vous mettez là-dedans, cela doit tomber. Parce que la fondation est fausse. La fondation est pourrie. Et l'homme, dans sa manière mentale de penser, est faux. Pour commencer, l'homme, dans sa manière de penser, est faux. Pour commencer, il est éloigné de Dieu. Il est coupé de Dieu, sans espérance, sans Dieu, sans miséricorde. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est de venir et d'accepter Christ. Amen. Et alors le Saint-Esprit va entrer. Maintenant, cette maison dont Frère Branham parle, c'est laquelle? C'est le corps ici. Ça, c'est un... Une maison condamnée, il appelle ça, c'est la maison des pestes. Amen. La maison de peste. Ne me dites pas, oh non, frère, ce corps ici, frère, sachez bien, c'est un corps condamné. Amen. D'accord. Alors, comment pouvez-vous embellir une maison que le gouvernement céleste a déjà condamné? Amen. 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 L'ingénieur, le grand architecte. Amen. L'architecte divin. Amen. L'architecte des architectes. Alléluia. Le constructeur de la cité céleste. Amen. A déjà condamné ce bâtiment. Amen. Amen. Que ce corps ici tombera. Amen. Peu importe ce que vous voulez faire, ça va tomber. Amen. Je m'en fous. Je n'ai pas fumé. Ça tombera. Amen. Je n'ai jamais menti. Ça tombera. Amen. Il a condamné ça. Amen. Tu es venu de la poussière, tu retourneras la poussière. Amen. Une condamnation éternelle arrêtée dès avant la fondation du monde. Amen. Ce corps est venu dans le monde est corrompu. Amen. J'ai dit toujours à mon église, ne venez pas vous présenter à l'église devant moi comme des anges. Amen. Dieu ne m'a pas mis pasteur des anges. Amen. Amen. Mais suivez, Amen. Dieu m'a fait passer, si Dieu, le jour où Dieu me donne les anges comme brebis, je cesse d'être pasteur. Amen. Quel travail je vais encore faire? Ils ne commettent jamais les péchés. Les anges ne commettent jamais les péchés. Qu'est-ce que je vais encore faire comme travail? Vous comprenez? Oui. Parce que je suis content d'être pasteur ici sur la terre, non pas au ciel. Oui. Parmi les anges, je n'aurai pas de travail. Ils sont soumis à toutes choses, ils n'ont jamais péché, ils ne désobéissent pas. Mais Dieu m'a mis pasteur des malades, Amen, qui ont besoin d'être soignés. Amen. Mais toi, tu viens chez le médecin, tu essaies de montrer que non,
Tu es malade, tu caches. Pourquoi tu caches? Dis-le quoi, tu souffres. Tu es malade, mais tu veux montrer que tu n'es pas malade. Tu es pécheur, mais tu veux montrer que tu n'es pas pécheur. Non, c'est pourquoi j'ai dit à mes brebis, venez chez moi, dites ce que vous avez. Nous nous mettrons tous à genoux, parce que moi-même, je suis le pécheur numéro un. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu ne prenait pas les sacrificateurs parmi les anges. Il les prenait parmi les hommes. Amen. Et la Bible dit que le sacrificateur lui-même présente son sacrifice. Amen. Avant de présenter le sacrifice des autres. Amen. Il devait être pris parmi les hommes pour compatir. Connaître qu'est-ce que le péché. Voilà pourquoi Dieu est devenu un homme. Pour sentir ce que nous sentons. Amen. Vous m'excusez de vous dire ces choses. Je veux que vous soyez libérés de cette maison sale, condamnée déjà. Et vous, vous avez pris ce corps comme référence à votre vie spirituelle. Ne prenez plus ça comme votre référence spirituelle. Prenez votre cœur, votre pensée, votre âme. C'est ça la référence. D'accord. Et toi et moi. Amen. Excuse-moi. Alors, il dit, ne prenez pas ce corps comme référence. Essayons maintenant. Va. Tu trouves la maison, l'homme et la femme. Écoute, hein, moi je n'aime pas de choses comme ça. Tu vas retourner chez tes parents, hein, je vais te chasser. Comme. C'est qui là? Non, c'est le pasteur. Bonjour pasteur. Oui. Il veut, il devient un acteur de cinéma. Il commence à fabriquer. Non, quand le pasteur entre, continue. Pasteur, elle va partir chez les parents. Comme ça, le docteur connaît la maladie que tu as. Non, le pasteur vient. Est-ce que vous allez bien ici? Oui, parfait. N'est-ce pas, chérie? Oui. Hey. On crée des hypocrites au lieu qu'on crée des saints. Parce qu'au départ, on a donné l'impression qu'on est quoi? On est saint. Un chrétien ne veut pas dire vivre sans péché. Un chrétien veut dire quelqu'un qui vit pour vaincre le péché. Amen. Amen. Le péché est déjà en toi. Tu es né dans le monde. Ce n'était pas ton choix. Ça deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que nous avançons. Ce n'était pas ton choix d'être un pécheur, tu n'as pas voulu être un pécheur. Si Dieu devait te demander, veux-tu être un pécheur, tu allais dire non. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es venu à la parole. Parce que dans ton cœur, tu ne veux pas être un pécheur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc maintenant, pourquoi tu as honte? Non, je n'ai pas honte de dire que je suis un pécheur. Je le connais, je confesse. Et je lui dis que je ne veux pas être comme ceci. Vous dites amen. Amen. Ah, c'est pourquoi il vous dit, dans votre vieille pensée, vous n'allez pas réussir d'être un chrétien. Pasteur, je veux être, je veux. Un jour, frère Branham, il se revient. Pasteur, et frère Branham, j'ai un problème. Oui, sœur, qu'est-ce que tu as? Il dit, elle a dit, pasteur, frère Branham, je veux la vérité. Mais je suis plein de faussetés. Je ne fais que mentir. Plein de faussetés en moi. Qu'est-ce que dois-je faire? Frère Madame le dit. Sœur, ce n'est pas ce que tu es qui compte. C'est ce que tu désires. Amen. Quand tu désires la vérité, quand tu ne veux pas de la fausseté, c'est ce désir-là qui compte. Amen. Retourne chez toi. Au lieu qu'il prie pour lui pour que la soeur soit délivrée de la fausseté, il dit que non, c'est le désir de ton cœur qui compte. Amen. Parce qu'il sait que la pensée qui est en elle veut être juste. Amen. Et Dieu ne regarde que la pensée. Amen. Qu'est-ce que je veux vous montrer ici? Allons dans Philippiens chapitre 2. Dans votre vieille pensée, vous n'arriverez pas.
Philippiens 2, verset 5. Fernando, tu peux lire ça. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Quand ça va, ouais. Mais là, regardez ici. C'est mal traduit aussi. C'est écrit en anglais comme ceci. Laissez que la pensée ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Pas les sentiments. D'accord. C'est la pensée. Nous parlons ici de la pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. L'été que la pensée. Voilà comment Paul dit. C'est Paul. Hein? Il est toujours dans ce mystère de la pensée. Il dit le renouvellement. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Ça veut dire que recevez maintenant la pensée de Christ. Que la pensée qui était en Christ Jésus, alléluia. Amen. Oui. Je veux que chacun de vous accepte cette pensée. Amen. Rejetez la vieille pensée. Oui, Seigneur, d'accord. Je crois que nous avons reçu un message puissant. Amen. Amen. Nous adorons un Dieu positif. Amen. 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 Il nous a envoyé un prophète positif. Amen. Amen. Avec un message positif. Amen. Amen. Imaginez-vous si Dieu avait dit que la lumière soit. Et puis, vraiment, est-ce que la lumière va apparaître? Je ne suis pas sûr. Hein. Imaginez-vous un peu. Oui. Dieu, c'était un homme positif. Oui. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Oui. Ça a pris des millions d'années avant que la lumière apparaisse. Mais Amen. Dieu a déjà dit dans sa parole que la lumière fut. Mais la lumière n'était pas encore là. Physiquement, elle n'était pas là. Mais par la parole, elle était déjà là. Amen. Par la foi, elle était déjà là. Amen. Dieu, c'est un Dieu positif. Amen. Il nous a envoyé un prophète positif. Amen. Et c'est pourquoi nous devons avoir une épouse positive. Amen. Oui, d'accord. Vous le croyez? Amen. Je parle ici de la pensée qui était en Christ. Que cette même pensée soit en toi. Amen. Amen. Frère Madame dit, qu'est-ce qu'il pensait? Ou qu'est-ce que la parole? Ou comment Dieu a créé les choses? Il dit, premièrement, c'était la pensée. Amen. Puis, il a exprimé cette pensée par la parole. Amen. Amen. Et la parole s'est matérialisée. Amen. Trois étapes. Amen. 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 D'abord, la parole et la pensée. Amen. Puis la parole. Amen. Et le matériel. Amen. Amen. Vous devez respecter cet ordre-là. Pensée, parole, matérialisée. Amen. Toi qui es ici, frère, tu es la pensée de Dieu. Amen. Les hommes disent dans la pensée de Dieu. D'accord. Exprimée sous la forme de la parole. Oui. Et aujourd'hui, c'est matérialisé. Amen. Ça veut dire que chaque pensée que tu as finira par se matérialiser. Amen. Tu es avec moi? D'accord. Êtes-vous avec moi? Oui. Amen. Chaque pensée que tu as, peu importe, oh je vais mourir, tu mourras. Amen. Comment se va penser, je vais mourir? Amen. Je vois que je vais mourir. Ah, je vois comme si je vais mourir. Parce que la loi de Dieu, c'est quoi? Pensée, parole, matérialisme. Amen. C'est pourquoi Frère Madame dit, ne soyez pas négatif. Faites attention à ce que vous faites sortir de votre bouche. Amen. Amen. Oui, d'accord. Amen. Tu penses que tu es un pécheur? Tu crois que tu es un pécheur? Tu souffres, ah, je ne change pas. Tu ne changeras jamais. Parce que c'est la pensée que tu as. En venant dans ce monde, nous recevons une pensée pervertie. Amen. Qui enseigne à un enfant de commettre le mal? Je ne crois pas qu'il y ait un papa dans ce monde qui enseigne à son fils de mentir. Avez-vous déjà vu un papa qui dit, moi, toi tu es comme moi, tu dois commencer à mentir? Amen. Avez-vous déjà vu ça? C'est dans l'enfant, dès qu'il commence,
Il pense, qui a fait ceci? C'est pas moi. Amen. C'est déjà une nature de menteur. Oui. C'est la base, l'enfant vient avec cette pensée-là. Et la pensée-là se manifeste par la parole que vous prononcez. Et se matérialise. Voilà comment ça se passe. Nous n'arrivons pas à vaincre parce que nous avons premièrement une pensée dans notre cœur. Tout part par la pensée. Et Frère Madame dit que la pensée, c'est la matrice de l'esprit. C'est comme une femme qui est la matrice d'une femme. Vous plantez la semence dans la femme, ça produira. Êtes-vous avec moi? D'accord. Amen. Votre pensée aussi, c'est une matrice. Amen. Peu importe ce que vous plantez dedans, ça produira. Êtes-vous avec moi? D'accord. Amen. La matrice de l'esprit, c'est la pensée. Frère Madame dit, avant qu'une femme commette l'adultère, elle doit d'abord être convaincue dans la pensée. Elle doit accepter cette chose en elle. Comprenez? Amen. Quand elle accepte dans sa pensée, alors elle peut passer à l'acte. Amen. Mais avant de passer à l'acte, elle a déjà commis cela dans sa pensée. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, c'est lui qui regarde une femme avec les yeux pour la convoiter. Amen. A déjà commis Amen. Adultère Amen. Dans son Amen. Cœur. Amen. Dans sa pensée, il est déjà adultère. Amen. Qu'il est touché ou pas. Tout se passe dans la pensée, frère. Il y a des gens qui ne mentent pas par la bouche, mais dans le cœur, un menteur. Amen. Plein de mensonges en lui. Amen. Si je vais là-bas, si le pasteur me demande, si je vais le mentir comme ça. Je vais dire ceci. Il arrive là-bas, le pasteur ne le demande pas. Il n'a pas menti, mais il a déjà menti dans son cœur. Amen. 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 Je vois ça avec moi. Oui. Je veux faire pénétrer cette chose. Mmh. Et le diable n'aura plus la force sur vous. Amen. Donc, si je viens avec une pensée, je plante. Vous savez quoi? Vous ne serez pas sauvés. Et vous recevez cette pensée. Parce que j'exprime ma pensée par la parole. La seule manière que tu peux recevoir ma pensée, c'est par la parole. Parce que derrière la parole, il y a la pensée. La parole, c'est la pensée exprimée. Amen. Vous ne serez pas sauvés. Et vous recevez, nous ne serons pas sauvés. Ça entre dans votre corps que comme une pensée. Vous êtes avec moi? Amen. Ça entre dans votre cœur comme une pensée. Et alors, alors, vous recevez cela, là, vous dites, ah, nous ne serons pas sauvés. Petit à petit, vous allez voir que cette pensée va commencer à influencer votre corps. Et vous commencez à vous comporter comme des pécheurs jusqu'à ce que le monde va vous attirer. C'est la pensée que je vous ai communiquée. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons un message positif. Un pasteur qui est chaque jour. Vous, des démons, vous ne changez pas. Ils ne changeront pas. Amen. Un pasteur doit être positif. Amen. Alléluia. Amen. On doit être positif pour encourager l'épouse. Amen. Parce que tout ce que vous dites, c'est une pensée. Amen. Et ils reçoivent et ça va se reproduire. Amen. Vous, les démons. Et tout. Hey, c'est comme des démons. Tu as un enfant à la maison là, oh mais toi là, hein, tu ne comprends jamais, tu n'as pas l'intelligence. L'enfant là finira par ne pas être intelligent. Frère Madame dit que, encouragez toujours. Même la femme à la maison, elle prépare bien parce que toi, c'est toi qui l'as, c'est toi qui crée ta femme. Par ta parole. Elle vient là, elle prépare, elle dit, ah aujourd'hui c'était très joli. Oh fantastique, il y a Jésus. Je n'ai jamais mangé, goûté à une cuisine comme celle-ci.
Demain, frère, elle va chercher des livres et des menus. Elle va chercher des recettes américaines. Parce qu'elle veut être encore encouragée. Tu lui dis, oh, mais ça encore, c'est terrible. Demain, recette suisse. Tu dis, oh, c'est fantastique. Tu es la meilleure. Demain, recette chinoise. Qu'est-ce que tu fais? Tu la perfectionnes en l'appréciant. Amen. Amen. Vous dites amen? Amen. Tu la perfectionnes en l'encourageant. C'est, tu es positif. Tu es positif et elle devient positive. Amen. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Il nous encourage. Il ne nous condamne pas. Vous dites amen? Amen. Alors, suivez bien. Je veux rester seulement sur ce petit point pensée. Et mardi, on fait un pas. Ainsi de suite. Amen. Donc, la pensée reçoit et la semence qu'il reçoit commence à pousser, à germer, jusqu'à ce que ça va sortir. Et sachez que chaque semence ne se reproduit que selon son espèce. Et c'est dans votre pensée que cela se passe. C'est pourquoi Paul dit, si vous gardez votre pensée que vous aviez depuis dans le monde, vous ne pourrez jamais devenir un chrétien. Vous ne deviendrez jamais parfait. Parce qu'avec votre vieille pensée, votre vieux corps et tout ça, c'est condamné. Oubliez ça. Ayez la pensée qui était en Christ. Amen. C'est pour ça que Frère Branham termine cette citation. Et le Saint-Esprit viendra en vous. Et la pensée qui était en Christ entre en vous. Vous me suivez? La pensée qui était en Christ. Tu commences à penser comme Christ pensait. Amen. C'est très fort. D'accord. Tu ne penses plus comme le monde. Quand tu reçois la pensée de Christ, tu commences à penser comme lui. Amen. Amen. Quelle sorte de pensée avait-il? Faut vraiment poser la question. Quelle sorte de pensée Christ avait? Il a pensé qu'il avait, c'était de rester juste avec la parole. Rester avec la parole. Avec la parole de Dieu. Et il a défié l'ennemi chaque fois avec la parole. Amen. Vous devez faire que la manière de penser de Dieu soit votre manière de penser. Soit notre manière de penser. Que la pensée qui est en Christ soit en vous. Et la Bible, alléluia, révèle que révèle la pensée de Dieu. Dites amen. Comment est-ce que nous avons la pensée de Dieu? La Bible révèle la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le livre de la révélation, appelé Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Nous pouvons voir les choses qu'il condamne et les choses qu'il prend d'un côté et tout cela. Vous dites amen? Amen. Le croyez-vous? Amen. La pensée. Frère Branham dit, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Amen. Non. N'allez pas me dire que vous savez que Jésus a pensé à une femme. Une vraie femme doit être comment? Jésus a vu dans sa pensée comment une vraie femme, je parle d'une femme naturelle, amen, comment une vraie femme doit être. Elle doit être soumise à son mari, elle doit aimer son mari, elle doit élever ses enfants, elle doit s'occuper de son mari. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Il avait l'image de ce que la vraie femme doit être. Maintenant, moi je ne veux pas prendre cette pensée et la mettre à moi pour que je devienne une femme. Je vais prendre un pagne, je porte. Alors ça devient la perversion. Ça c'est la pensée que Jésus avait pour nos sœurs. Mais Jésus aussi avait les pensées comment un frère doit être. Il doit aimer sa femme, il doit aimer sa famille, il doit se prendre soin de sa femme et tout, il doit aimer les frères, il doit faire ceci. Jésus aussi avait les pensées concernant les frères. Et tout ça, ça se trouve dans la Bible. Marie, aimez vos femmes.
c'est la pensée qui était en Dieu. Il avait la pensée d'un pasteur, un vrai pasteur, c'était comment? Il avait la pensée d'une vraie église, d'un diacre et tout ça. Et selon que Dieu vous a appelé, ayez la pensée que Dieu avait de toi, en toi. Amen. Dieu t'avait vu d'une certaine façon. Amen. Amen. Tu étais dans sa pensée, il t'avait vu d'une certaine manière. Amen. Que cette pensée qu'il avait en lui soit en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois de tout mon cœur. Le croyez-vous? Amen. Est-ce que Dieu avait dans sa pensée? Qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée? La Bible, Paul dit quelque chose. Il dit ceci. Éphésiens chapitre 7. Verset 25. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, et afin qu'il puisse la sanctifier, la nettoyer avec le lavement de l'eau de la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même, se présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Remarquez ceci. La Bible dit que il avait dans sa pensée une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il avait vu une église déjà avant la fondation du monde. Il a vu une église sans tache. C'est ce qu'il avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Jésus avait dans sa pensée une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Et si je reçois cette pensée dans mon cœur, tôt ou tard, je deviendrai une église sans tache, ni rien de semblable. Amen. Que la pensée qui était en Dieu, alléluia, amen. Dieu ne m'a jamais vu avec la santé, il ne m'a jamais vu avec le péché, non, amen. Il m'avait vu sans tache, amen. Ni ride, amen. Ni rien de semblable, amen. Le croyez-vous, amen. Que cette pensée-là, oui, soit en vous, amen. Amen. Quand tu marches, je suis sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Non, mais tu as fait ceci. Non, la pensée qui est en moi, je suis occupé de cette parole. Amen. Je veille sur ça. J'aime ça. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu m'a vu. Oui. Peu importe ce que le catholique dit. Peu importe ce que le pape dit. C'est ce que Jésus dit qui compte. Amen. 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 Ce n'est pas, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Amen. Tout ce que je fais par sa parole, je reçois sa pensée. Amen. Vous dites amen à cela? Amen. Notre frère, dit en anglais, oh, what our boss wants. He wants a church without spot. Amen. Notre patron veut une église sans tache. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans ride. Il veut un groupe de gens lavés par le sang. Amen. Il veut ça, ça finira par se reproduire. Amen. Acceptez seulement cela. Dites amen. 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 Dit, I've always thought the church wasn't haphazard. Jesus never came to earth in haphazard way. Il dit, j'ai toujours pensé que l'église n'est pas venu ici d'une manière hasardeuse. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu es ici, frère. Amen. Je ne crois pas que Jésus est mort par hasard. Amen. C'est un accident qui s'est passé. Non. Amen. C'est des choses préparées avant la fondation, amen, du monde. Amen. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici.
Pourquoi les autres ne veulent pas venir? Pourquoi toi tu es ici? C'est parce qu'il t'avait déjà vu. Amen. Alléluia. Dieu savait que ce soir vous serez assis là en train de dire amen à la parole. Amen. Je serai ici en train de prononcer la parole. Amen. Vous dites amen. Amen. Et ce qui se passe ici, c'est la pensée de Dieu exprimée. Amen. Alléluia. Amen. Et si ça c'est la pensée de Dieu, je crois que toute pensée de Dieu nous concernant doit s'accomplir. D'accord. Amen. 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 Oui, le croyez-vous? Amen. Oh non! Maman a dit que non. Non, c'est le papa de maman. Ça, c'est ce que maman m'a donné quand je suis venu dans ce monde. Je n'ai pas de pensée des gens. Je ne suis pas ici pour accomplir, manifester les pensées des gens. Je suis ici pour manifester la pensée de Dieu. Amen. Le croyez-vous? Amen. Jésus était là pour aux affaires du Père. Ne sais-tu pas que je dois accomplir, je dois être aux affaires de mon Père? Et nous aussi, les affaires de notre Père, c'est sa pensée. Est-ce que vous le croyez? Alors il dit, il est venu pour un but. Il est venu pour un but. C'est pour accomplir le commandement de Dieu, afin qu'il puisse se pourvoir lui-même une église sans tache ni ride. Est-ce qu'il vous a dit, vous, de faire l'effort? C'est lui qui est mort pour vous rendre sans tache ni ride. Amen. Amen. C'est sa pensée. Mais reçois cette pensée en toi. Quand tu sors d'ici, dis à Satan que moi j'ai la pensée de Christ en moi. Dieu m'a déjà vu parfait. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je vais vous dire ceci. Frère, madame, quand Dieu l'a pris, il est allé au-delà du rideau des temps. Amen. Il a vu le frère venir, l'embrasser. Oh, notre précieux frère Branham, notre précieux frère Branham. Est-ce que c'est vrai? Oui. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Amen. Et l'ange lui dit, tout ce que tu as aimé, et ceux qui t'ont aimé, je te les ai donnés ici. Amen. Frère Madame dit, et je vous ai vu tous. Amen. Vous tous là, je vous ai vu là-bas. Amen. Hein? Amen. Amen. Merci Seigneur. Il m'a vu. Amen. Si toi tu ne crois pas qu'il t'a vu, c'est ton problème. Moi, il m'a vu. Amen. Je crois ça. Amen. Alléluia. Amen. Je suis encore ici sur la terre. Je ne suis même pas encore né, mais il m'a déjà vu au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis ici pour reproduire l'image de céleste. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, priez que ta volonté soit faite. Amen. Sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Amen. Donc la volonté de Dieu est déjà accomplie au ciel. Amen. Et ici sur la terre, c'est la réflexion. Amen. C'est le reflet. Oui. Alléluia. Amen. De ce qui est déjà au ciel. Amen. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes attiré par votre image céleste. Amen. Vous avez entendu votre théophanie. Amen. Alléluia. Alléluia. Votre théophanie est dans un endroit parfait. Amen. Votre théophanie est dans un endroit saint. Amen. Alors c'est pourquoi il fait comme un aimant. Il attire votre corps. Amen. Quand le diable dit non, tu es pécheur. Tu... Non, 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 non. Ne va pas à l'église aujourd'hui. Il y a un aimant invisible qui vous attire. Amen. Un aimant invisible qui vous attire. Amen. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que vous reproduisiez l'image du céleste. Amen. 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 Dieu a dit à Moïse, fais tout selon le modèle qui t'a été monté au ciel. Amen. Je t'ai montré ces choses dans le ciel. Tu as vu ça? Fais ça sur la terre. Moïse, le prophète, il construisait le tabernacle dans lequel Dieu doit habiter. Amen. Et le prophète de cet âge est venu comme Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Avec la mission de construire d'autres tabernacles. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a amené de l'autre côté. Oui. Il dit, je vous ai vu là-bas. Amen. Et Dieu lui dit, allez, construis-les comme tu les as vus là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Construis-les comme tu les as vus là-bas. Il a vu là-bas, il nous a vu nous. Amen. 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 Il dit, j'ai vu des sœurs avec des longs cheveux. Amen. Avec des longues jupes. Amen. Très jolies, très beaux. Amen. Très belles. Alléluia. Amen. J'ai vu des frères très jolis, Amen. Très beaux là-bas. Alléluia. Amen. Et il revient ici, il dit, une femme ne doit pas comporter des courtes jupes. C'est quoi? Il construit les tabernacles.
reflèterai l'image. Oui, oui, peu importe ce que le diable veut, tu reflèteras l'image du ciel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous nous emplaçons ici. Amen. Construis le talisman. Amen. Construis le talisman selon le modèle que tu as vu au ciel. Est-ce qu'on le croyait? Oui, oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va continuer. Mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Hey.